En planche, hein, le premier bâtiment le avec premier, les pailles. oui, en planche et en paille. Vous allez voir cette photo bien. Et là, c'est le délégué départemental du Minader. Oui, en marron, En en marron. bout marron. Oui, c'est lui qui OK. est présent. Il est venu inaugurer. Et là, j'ai déjà 9 élèves. Nous quittons de 4 élèves. Ah, Ici, on commence à 9. neuf élèves. Bonjour la famille. Alors aujourd'hui, je vous amène dans la localité du Mbam pour rencontrer une jeune femme camerounaise qui est partie de rien et qui aujourd'hui pèse des dizaines de millions de francs CFA. Non, elle n'est pas partie de rien. Je n'aime pas trop cette expression. On va dire qu'elle a commencé avec des moyens modestes et aujourd'hui, elle pèse des dizaines de millions de francs CFA. C'est le genre de femme qui mériterait qu'on fasse son apologie. Le genre de femme qui mériterait d'être prise pour modèle par la jeunesse camerounaise en particulier et la jeunesse africaine en général. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, notre société fait plus l'apologie des influenceuses porti-porta, les mangeuses de cacahuètes, et les toutes récentes actualités le prouvent encore à suffisance. Des jeunes filles qui s'injectent du cube dans les fesses pour les faire grossir. Voilà maintenant, alors que même les petites boules de couscous qu'elles avaient déjà, on a encore tout coupé pour leur éviter une mort certaine. Alors, si tu es un parent avec des filles à la maison, si tu es un frère avec des petites sœurs, des grandes sœurs à la maison, partage cette vidéo avec elles afin qu'elles comprennent qu'une belle femme, c'est pas seulement celle-là qui a des grosses fesses, des gros seins, le beau maquillage, les beaux ongles. Une belle femme, c'est avant tout celle-là qui est consciente qu'elle a un cerveau et qui est capable de le faire tourner sans à l'heure pour bâtir des empires magnifiques comme celui que nous allons visiter tout à l'heure. Let's go. Bonjour Marie. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Ouais, mais... Donc, on vient là, tu es fort, ma fille. Ouais, Mayimbe. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas. Mayimbe, les chéchés. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la salutation en Bafia, Wayembe. Alors, Marie, très rapidement, d'abord, tu vas te présenter, n'est-ce pas, aux membres de la communauté qui ne te connaissent pas. Ouais. Ok, je suis Madame Kegune Marie-Claire, épouse de Bolloc. Je suis la promotrice du centre de formation agro-pastorale de Bafia, qui est aujourd'hui un centre d'incubateur d'entreprises. Et nous y sommes comme ça, là, dans l'enceinte du campus KMC. Merci. Ok, super. Maintenant, parle-nous un peu du KMC. C'est quoi KMC? Qu'est-ce qu'on fait à KMC? Quels sont, n'est-ce pas, les projets ou alors quels sont les services que KMC offre? Ok, tout d'abord, KMC est, comme je disais tout à l'heure, centre d'incubation d'entreprise qui forme les jeunes de 18 à 45 ans pour, dans des modules tels que l'agriculture. En ce qui concerne l'agriculture, nous formons les jeunes en tous les spéculations, cacoculture, culture des maïs, culture sous serre, culture des maraîchers, tomates, pastèques, poivrons. Donc, en aidant le domaine de l'élevage, parce que nous avons, comme on parle de l'agro-pastoral, en élevage, nous avons l'aviculture, la cuniculture, la codiculture, la porciculture et même la myciculture, sans toutefois oublier l'aquaculture, l'élevage des poissons ainsi que la pisciculture. Donc voilà un peu ce que nous faisons à KMC. Et nous formons également des gens dans l'apprentissage des thématiques telles que la fabrication des engrais biologiques. C'est nos modules que nous faisons au niveau de KMC. Ok, super.
Vous constatez que la dame est très sollicitée. Bien, maintenant, Marie-Claire, j'aimerais que tu nous racontes un peu l'histoire, n'est-ce pas, de ce centre. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as eu l'idée de mettre sur pied, n'est-ce pas, le centre KMC? Mais avant que tu nous racontes cette histoire-là, j'aimerais rappeler ici, n'est-ce pas, aux téléspectateurs que nous avons mis un groupe sur pied, un groupe WhatsApp dénommé Agronomie à l'Africaine. Et dans ce groupe WhatsApp, vous allez retrouver sept ingénieurs agronomes, n'est-ce pas, qui répondront à toutes vos préoccupations concernant l'agriculture ou l'élevage. Si vous êtes également un membre de la diaspora qui désire investir dans le secteur de l'agro-pastoral en Afrique, c'est également l'occasion pour vous, n'est-ce pas, d'exposer vos préoccupations et nous serons là pour répondre à toutes vos questions. Donc, l'adhésion à ce groupe est gratuite, c'est totalement gratuit. Et si vous voulez adhérer au groupe, faites-nous juste savoir en contactant le numéro qui s'affiche là et on vous fera intégrer le groupe. Bien, quand même, si vous avez la parole. Voilà, l'histoire KMC, ou encore la trajectoire de vie de KMC. Déjà, il faut noter que je suis technicien des industries animales formé au Centre hôtelier vétérinaire de Fumban, année 2004-2006. Donc, après mes études, je me lance dans le monde du travail et j'achète un sac au dos. Moi, j'aime les sacs au dos. Hein. Ce sac au dos, et je me prénomme, je donne mon nom dans la ville de localité de Bafia, Marie-Claire la vétérinaire. Alors, c'est comme ça que je suis connue, Marie-Claire, la vétérinaire. Avec mon sac au dos, je prends les produits à Yaoundé, à la Prouvette. Je salue bien docteur Tanguy, si elle me regarde. Je prends mes produits à la Prouvette et puis je commence à vendre des produits dans toute la ville. Maison par maison, j'ai fait le porte-à-porte. Après cela, j'ai vu qu'il y avait, j'ai fait un constat qu'il y avait un besoin en nutrition et en santé animale. Donc, lors de mes descentes sur le terrain, j'ai rencontré des mamans qui témoignaient. Je ne sais pas élever, je ne sais pas comment nourrir les poulets, je ne sais pas. J'ai donc pensé mettre sur pied une unité d'alimentation des animaux, c'est-à-dire la provenderie. Et c'est cette provenderie qui est au Dodane, à l'Axe-Lourou, provenderie KMC. Étant nous à la provenderie, les gens commencent à, les clients viennent et puis je me rends compte qu'il y a un besoin en formation. Que non seulement je viens pour vendre, mais toute ma journée, je passais pour former les gens. J'ai dit, mais tiens, je ne vais pas passer mon temps à former toute l'année. Et en 2010, l'idée est venue, c'est de 2006 en 2010, le projet est né, j'ai mûri le projet, j'ai pensé mettre sur pied dans cette centre de formation où j'ai loué une salle à l'Axe-Lourou. J'ai commencé avec 4 élèves. Et étant donné, j'ai vu que le besoin était déjà intense, la formation, les gens avaient besoin de se former. J'ai donc cherché sur le point de terrain. Celui-ci, j'ai pris 1000 mètres carrés ici au champ des prières. Et à date, nous sommes à-dessus 2 hectares. Les Donc, hectares, chaque jour, waouh. je prenais 1000 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Je me suis Doucement, retrouvée, doucement. voilà. Et comme vous allez voir cette image, ici, c'est la photo qui va se présenter tout à l'heure sur l'écran. C'est la photo qui montre le premier jour. Vous avez, on a fait cette, en planche, Le premier avec bâtiment le avec premier. les pailles. Oui, en planche et en paille. Vous allez voir cette photo bien. Et là, c'est le délégué départemental du Minader. Oui, en marron, En en marron. bobo marron. Oui, c'est lui qui OK. est présent. Il est venu inaugurer. Et là, j'ai déjà 9 élèves. Nous quittons de 4 élèves. Ah, Ici, on commence à 9. neuf élèves. Et à date, nous avons déjà formé près de 700 élèves à KMC. Nous allons vous dire que ici, nous sommes installés depuis 2015. Quand vous voyez même la date, Oui. le 20-11-2015. 2015, effectivement. Le 20-11-2015, l'inauguration. Et en 2022, nous sommes à près de 700 élèves formés. Et vraiment, c'est de la classe et tout le monde est intéressé parce que l'agriculture ne trompe pas, tout comme l'élevage. J'aime toujours cette phrase. L'élevage, c'est la science et non Non, la la chance. chance. Et non la chance. Et raison pour laquelle mon travail, c'est de stimuler les jeunes pour que nous développons, nous devons développer, n'est-ce pas, notre communauté. Effectivement, effectivement. Voilà, donc vous avez compris, KMC, c'est déjà à ce jour 7 ans de formation, depuis 2015, n'est-ce pas, que le centre existe. Et je dois rappeler ici que j'ai eu à faire aussi pas mal de mes stages dans cette structure lorsque j'étais en formation, n'est-ce pas, pour l'obtention de mon diplôme d'ingénieur agronome. Alors, une des choses que la dame a omise, n'est-ce pas, de dire, c'est de présenter un peu la structure. Donc, je vais un peu vous présenter la structure. Dans cette structure, on a plusieurs salles de classe. On a un dortoir, on a une salle d'informatique, on a un réfectoire et on a une ferme, n'est-ce pas, un poulailler, une porcherie, une serre. On a une serre. Donc,
KMC, c'est vraiment le top du top, n'est-ce pas, pour ce qui concerne la formation en agriculture et en élevage au Cameroun. À présent, maintenant, nous allons nous diriger, n'est-ce pas, vers la ferme, pour que, puisque actuellement, il y a des poulets à la ferme, donc nous allons nous diriger à la ferme. Question de poser un peu quelques questions à la dame. Mais avant de nous diriger à la ferme, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Vous regardez la table de la dame. Qu'est-ce que vous voyez? La dame consomme de l'eau alcaline parce qu'elle a compris que l'heure est grave. Quelqu'un qui côtoie, n'est-ce pas, des agriculteurs, quelqu'un qui voit comment est-ce qu'on produit tomates, poivrons, toutes ces choses qu'on consomme au quotidien là, il ne peut pas rester sans son gobelet alcaline proche de lui, jamais, il ne peut pas. Parce qu'il comprend que l'eau alcaline, n'est-ce pas, permet de détoxifier son corps de toutes ces toxines qu'il ingère au quotidien. Donc, si votre santé et la santé de vos proches vous importent, passez la commande de votre gobelet alcalin au numéro qui s'affiche juste là. Vous serez livré, peu importe votre zone géographique. À présent, nous allons diriger à la ferme. Bon, nous voici donc à la ferme. Alors, Marie, on a combien de poulets là actuellement? Là, nous avons 1500%. 1500. 1500%. Et c'est vrai que c'est arrivé 1526. Et ton bâtiment, il peut prendre en tout combien? 2000. C'est un 2000. bâtiment de 25 mètres de long sur 10 mètres de large, 250 mètres carrés. Mais 250. l'espace réservé à la ferme, c'est 200 mètres carrés pour 2000 poulets. Mmh. Et il y a l'autre espace réservé pour la poussinière. Donc là, c'est 2000 poulets. 2000 poulets. Et concernant la commercialisation, est-ce que tu as des problèmes pour écouler tes poulets? Ou alors ça passe vite? Non, nous avons une fiche cliente. Donc, nous, quand le poulet a 35 jours, les clients commencent déjà à entrer. Donc, nous avons une fiche cliente. Le poulet, nous sortons pas avec le poulet. Ah, ça Les veut dire gens que... viennent payer sur place. Ça veut dire que chez toi, le poulet n'arrive même pas à 45 jours. Parfois, oui. La dernière bande qui vient de sortir à 49 jours, il n'y a plus de poulet à la ferme. Ouais. Donc, et comme ceci, c'est un projet, nous avons mis sur pied un petit projet, une famille 10 poulets. Donc, nous avons intérêt d'aider 150 familles. Si chaque famille, le but c'est élargir, que tout le monde doit apprendre à faire quelque chose à la maison. Si une femme ne doit plus attendre que son mari va Oui, donner le va te sel, donner. le cube, donc elle-même peut élever ses petits 10 poulets. Elle vend 6, elle consomme 3. Et elle ne va pas se m'attendre les fins d'année pour consommer du poulet. Donc, une famille 10 poulets, aider les familles et la communauté à prendre l'élevage. Ah, ça veut dire qu'après là, les poulets seront redistribués dans les Oui, familles. 21 jours, ce sera le 28. Le projet, c'est le 28 de ce mois, donc dans 5 jours. Et les familles sont déjà Oui, les gens, recensées ou beaucoup de bien? familles, beaucoup de gens se sont inscrits. Ah, on continue On à s'inscrire. continue, mais oui, il y a encore des places. Il y a Ah, encore des d'accord. places. Donc, Une vous l'avez famille, compris, 10 pour ceux poulets. qui ont besoin de poulets, vous pouvez venir vous inscrire, n'est-ce pas, pour bénéficier de 10 poulets. Bien, Marie, aujourd'hui, si un jeune, n'est-ce pas, voulait se lancer dans le secteur de l'élevage, n'est-ce pas, tu lui conseillerais de se lancer avec quoi? Avec quelle spéculation? Bon, c'est vrai que nous formons dans plusieurs spéculations, mais je conseille les jeunes de commencer par l'agriculture. C'est vrai que d'un temps, j'étais un peu embarrassée entre l'agriculture et la pisciculture, mais l'agriculture, c'est facile parce que c'est à court terme. 45 jours, vous vendez, vous lancez. 45 jours, vous vendez, vous lancez. Et vous voyez, c'est vrai qu'actuellement, les intrants coûtent énormément cher. C'est-à-dire, quand je parle des intrants, le maïs, le soja, le concentré, ça coûte un peu cher. Mais nous avons vu que sur le marché également, le coût du poulet a augmenté. Le poulet qu'on vendait à 2 800, 3 000 coûte aujourd'hui 4 000. Donc, ce qui fait qu'un jeune qui se lance dans l'élevage de poulet ne peut pas manquer à avoir minimum 500 francs de bénéfice par poulet. Et si tu as 500, tu fais 500 francs fois 500 poulets, vous voyez un peu combien vous avez comme retenu Effectivement. tous les 45 jours. Ça, c'est minimum. Et un bon fermier se retrouve entre 800 francs de bénéfice par poulet. Donc, si tu me prends seulement la marge de 500, chaque 45 jours, tu élèves 500 poulets, tu augmentes 250 000 francs. Combien d'employés ont 250 000 francs en moins? Donc, Effectivement. ce qui fait que l'élevage de la volaille est prioritaire. Après la volaille, je conseille de faire dans le poisson. Le poisson est également en train de prendre l'ampleur parce qu'on avait les bacs hors sol pour élever le poisson, même à la maison. Même à la maison, Élever le effectivement. poisson, et puis ça, vraiment, le prix est bon. Les gens, les mœurs, les gens consomment dans le bon domba. Et le brouillon, avec ça passe vraiment. Donc, l'élevage de poulet de chair, 45 jours. Parfois même, comme c'est là, demain, il y a des gens qui ont commencé à passer les commandes. Dès demain, les gens commencent à prendre. Dès demain, avant même 21 jours, nous livrons le demain et nous livrons le 28.
Là, c'est une famille 10 poulets. Mais ceux qui veulent prendre 50, 100, nous livrons puisque bientôt on relance d'autre côté. Donc, il y a le poulet en permanence à KMC. Il y a le poulet en permanence. Ok. Et si moi, par exemple, je suis un jeune abattoir, je produis du poulet, n'est-ce pas? Je produis du poulet et il y a des difficultés à vendre. Est-ce que tu peux m'aider à écouler mon poulet? Raison pour laquelle nous avons, nous encourageons à venir vers nous. On travaille en synergie. Il y a des moments où je n'ai pas du poulet prêt et j'ai mes collaborateurs qui ont du poulet. J'envoie directement les collaborateurs, j'envoie les clients vers eux. Donc, si vous voulez être dans le réseau KMC, vous venez, c'est gratuit, hein, c'est gratuit. On travaille ensemble et on découle facilement vos produits. Effectivement. Donc, premièrement, tu conseilles le poulet, deuxièmement, le poisson. En troisième lieu, tu conseilles. En troisième lieu, c'est l'élevage du porc. Parce que pour vous dire, pour être ce que je suis, c'est grâce au porc. Moi, j'ai fait beaucoup de porc et l'élevage du porc est très rentable. Très, très rentable. Parce qu'avec le poulet, quand vous n'avez pas l'argent pour acheter l'aliment, c'est difficile. Mais avec le porc, avec beaucoup de champs comme ça, on peut couper le Guatemala grasse, on peut couper le songo, on peut prendre les feuilles, on peut les nourrir avec ce que nous avons en attendant avoir l'argent pour acheter l'aliment. Donc, l'élevage du porc vient en troisième position actuellement chez moi. Ah, ok, d'accord. Bien, à présent, pour un jeune, bon, lui n'est pas trop passionné par l'élevage, lui, il aime plus l'agriculture. Tu lui conseillerais de commencer avec quelle culture? En ce qui concerne la culture, vraiment pour les jeunes, je conseille d'abord les maraîchers. Quand je parle de maraîchers, c'est faire son champ de tomates, son champ de pastèques et le concombre qui est maintenant prisé à date. Parce que les gens ont compris que construire du concombre, c'est hyper, hyper bien pour la santé. Donc, je conseille d'abord les maraîchers. Et en ce qui concerne la culture légèrement à long terme, je vous conseille également aux jeunes de faire dans la banane plantain. Banane plantain en restant bien lité car c'est une technique de culturelle. Et en troisième position, je conseille de faire le champ d'ananas. L'ananas, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre la valeur ajoutée sur les cultures. Avec les jus naturels qu'on est en train de faire, les gens sont dans le besoin énorme de fruits, tels que l'ananas, la pastèque, pour faire des jus naturels. Donc, je conseille aux jeunes de faire dans l'ananas en troisième position. Premièrement, faire les maraîchers. Deuxièmement, faire dans le plantain, banane plantain. Et troisièmement, l'ananas. Je déconseille le maïs, parce que le maïs vraiment n'est pas rentable sur le terrain. Actuellement, c'est pas rentable. Le maïs est rentable à grande échelle. Pour faire le maïs et que tu veux faire des petites superficies d'un hectare, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Pour faire minimum 10 hectares de maïs, là, vous pouvez voir quelque chose. Si tu veux faire un hectare, deux hectares, ça ne donne vraiment pas. Donc, je conseille beaucoup plus. Et bon, à la longue, si les terres sont encore fertiles, le manioc, parce que les farines, avec les farines qui sont là, deviendra et tout. Mais vraiment, ces spéculations sont pour leur mieux. Voilà, donc vous l'avez donc compris, n'est-ce pas? À KMC, vous pouvez vous former dans plusieurs secteurs différents. Et la structure offre, n'est-ce pas, une panoplie, un panel de formation pratique assez large. On a employé, on a une porcherie, il y a la serre de l'autre côté. Et il y a un dortoir également pour ceux qui n'ont pas, n'est-ce pas, pour ceux qui viennent des zones éloignées et qui n'ont pas de la famille à Bafia, il y a un dortoir à KMC dans lequel vous pourrez passer toutes vos nuits. Alors, Marie-Claire, un mot en Bafia pour conclure, n'est-ce pas, cette interview. Je suis à Tion Kontoxi Klongutim. Mon mien en Kola, il a de tos de Niam, de Za, de Sel Dem, à le Chachabo, un Chaka Djem, à Ben. Bisho shabu nyon mbubu gomine, yuna KMC, yuna ila, sukura nyon, sukura abia, sukura chila. Donc si vous n'êtes pas timé. Maintenant, français, vous n'avez pas compris. Ok, salut, pour tous ceux qui désirent avoir des formations, la nouvelle technologie en élevage ou bien en agriculture, venez si nombreux à KMC, venez apprendre les nouvelles méthodes, l'itinéraire technique agricole ou bien en élevage. Car l'élevage, comme je disais tout à l'heure, c'est la science et donc la chance. En apprenant, en venant vous former, vous serez vraiment, vous aurez la capacité de mieux faire dans vos fermes. Merci. Donc voilà, chers abonnés, nous vous disons à très bientôt, n'est-ce pas, pour un nouvel épisode. Ciao la famille.